Le cerf, c'est un peu l'animal mythique en Europe. Croiser un cerf dans une forêt, c'est toujours un moment assez magique. On a l'impression d'une apparition. Des tableaux de Bram Dusserre, il y en a plein. Voilà. Maintenant, à moi de trouver le tableau de Bram Dusserre qu'on n'aura vu nulle part. J'aime bien la peinture contemporaine américaine. Je trouve qu'il y a, il y a ce côté réaliste que j'aime beaucoup et qu'on retrouve sur mes tableaux. Je suis plutôt influencé par l'impressionnisme. Voilà, c'est le courant français qui me plaît. Moi, je suis très, très curieux de ce qui se fait ailleurs et de ce que peuvent faire les autres artistes. Je suis aussi très curieux des autres univers, donc je m'inspire de ce qui peut se faire au cinéma, en photographie. Le cinéma, c'est une grande source d'inspiration, surtout dans les couleurs. Mais il y a un gros travail de positionnement des lumières qui influence une scène, une émotion dans une scène. Et moi, j'ai l'impression de faire un peu le même travail dans le positionnement de mes lumières, de la lumière principale, des lumières secondaires, de la température des lumières que j'utilise. Quand j'écoute de la musique, ça m'inspire aussi. On se dit souvent que lorsqu'on vit à un moment donné, on se souvient de la musique qu'on entendait à ce moment-là. Et le tableau, c'est la même chose. Ce que je veux, c'est retranscrire dans la peinture le moment qu'on a vécu. Et ça passe par une émotion, une ambiance, une atmosphère, quelque chose qui nous rappelle ce moment-là. Entre le début d'une toile et la fin d'une toile, il peut se passer une centaine d'heures de travail. À partir du moment où j'ai décidé de faire le tableau, ça commence d'abord par des croquis rapides. Je pose mes gros volumes et mon idée. Thank you.
tous les détails sur lesquels je m'attarde et que je m'attache à rendre réaliste, ce sont comme des petites choses qui vont rassurer les spectateurs dans cette impression de réalité. C'est-à-dire que ce sont tous ces petits détails qui, inconsciemment, même si on ne le voit pas au premier abord, c'est tout ce qui va donner cette impression de réalité. C'est quelque chose qu'on ne voit pas au premier abord et on ne l'analyse pas, mais c'est ça qui va donner cette impression de réalité et c'est ça qui va éviter au regard du spectateur d'être perturbé. Souvent, on est captivé par le regard de l'animal. On ne fait plus attention au reste, parce que le reste va dans la scène, finalement, est inclus dans la scène, et on se laisse happer par le tableau. Moi, c'est ça que je recherche.